Gayon gros escombrite kap fèt nan gouvernement si la ki Ariel Henry nan tèt li a. Mouche Rockefeller Vincent li kampe dan fè en face Ariel. Mini justice la li passe l'autre avec Léon Charles pou le capable renforcer sécurité commissaire Bedford Claude pou menace la recevoir chaque jour. Et yon l'autre bord ki sa tombe pour Dimitri Era qui t'est lui rendu jodi à nan paquet pour la répondre quelques questions. Red branché, m'pral bo tout détail dans cadre émission ça, mais m'ap mando en signe d'encouragement et de reconnaissance pour capable abonner avec channel YouTube Haïti Media Online. L'on fait ça, ou ap permet channel l'avancer pour plus devant et ou même ou ap rete plus près information yo. On est respect avec tout fanatique Haïti Media Online qui d'accord prend petit temps ça pour coûter voir information an, qui pa gen l'autre rôle que bon détail yo a clé. Nous connais jodi a Dimitri Erard, li te supposé rendre nan bureau juge Gary Aurélien qui se juge qui d'accord prend en charge des dossiers assassinat ancien président. Effectivement, jodi lundi a qui 13 septembre, mouche Dimitri Erard li te déjà nan paquet et en même temps il était même qui t'en rentré nan bureau juge Gary Aurélien pour Gary t'a poser le question sous affaire assassinat si là. Mais fòm dou, monsieur rivé, l'elle rivé, li rivé avec des randol avec police qui t'accompagne l'elle demande monsieur compte avocat est-ce qu'il est en retard avocat en retard monsieur fait comprendre li pa gen avocat puisque nous connaît comment la loi lui-même li est déjà nous connaît tout ça dit dans la loi juge Gary Aurélien était obligé voyer monsieur on pimpel dans pénitencier à cause li pa gen présence yon avocat pa gen un avocat qui t'ai accompagné c'est raison ça qui fait juge Gary Aurélien pas arrivé tande mouché a jodi a bon ça t'a dit ça devant porte tourner des cailles yon est cou Dimitri Era qui t'a bolosé bon côté Jovenel Moïse nous avec ça un grand pampan gros torien qui est capable de un gros chef dans la République journée jodi a pour monsieur pas ka joindre un avocat assisté dans déblosay ça que lui même li fait sous ancien président bon par contre ça fait ça mais ça son gros exemple qui s'y pose tracé là son gros message qui voyait avec que ce soit moun lié a l'autant de ou participer non bagay ki wong non bagay comprendre qui pas même fait bon Dieu plaisir et bien journée jodi a c'est mon pièce ça que Dimitri Era l'a remettre dans pays d'Haïti mouché a juge pas arrivé tandel à cause li pas joindre yon avocat qui te accompagné aller dans bureau juge Gary Aurélien même Jean Jalangel civil te prend Renault George avec li a mais si monsieur te gon Renault George comme ça tout bon monsieur lui même il a l'a défendre sous te qui t'en fait appel avec les consulter ka bon coup mais en tout cas bagay vraiment doux les amis Haïti Media on yo kounya en entre nan causé a nan bif ça qui gagné en dans gouvernement Ariel Henry a dirigé a même Jean l'autre la kon dit pour qui ça toute violence ça m'ta répéter le tout oui mais tendez bien si gagné un monde actuellement là Ariel Henry pas parler avec lui nan gouvernement l'a dirigé a li pas l'autre qui ministre justice a d'ailleurs li fait CSPN ni pas invité ministre justice là gon paquet bagay li fait là il pas invité ministre justice là il dépassé l'ordre avec ministre justice là déjà pour te révoquer un monde pour lui ministre justice a te campé kin à la ganache et mes amis Haïti Media on yo faut me dit nous un ça qui en dans gouvernement si là li vraiment immense mais mouché Rockefeller Vincent li pas chalet mais si pas prendre un show sinon Bedford Claude tab gen tan révoqué déjà zami ta Haïti Media on yo nan yon note mouché Rockefeller Vincent mette deyò ki el voye bay DG a IPNH la en parlant de Léon Charles li dit le rappeler bien que PNH li même ni relevé des ministères de la justice et li là comme yon PNH institution policière là li là comme yon auxiliaire de la justice et en même temps li dit Léon Charles li pas de prendre aucun dicté nan men aucun homme politique nan pays a parce que nous on aime déjà parler avec nous même dit déjà c'est entreprendre qui mieux pas gen cause me parler là me pas connait et me pas vérifier depuis bon bagaille il faut que cet esprit bon Dieu remplou ou pas gen l'autre bagaille l'autre choix c'est amen pour dire n'a rappelé que me dit que mouche Ariel Henry déjà passé l'ordre pour enlever Chablende qui était dans cortège mini justice là et en même temps dans sécurité détachée au gain en pile là qui est en réduit gain en pile nègre là qui pas à rebord mini justice là Rockefeller Vincent et l'autre bagaille en cause en mitaille Haïti Media on yo dans même note ça Rockefeller Vincent lui mandé avec DG PNH là Léon Charles lui dit monsieur pour augmenter sécurité personnel commissaire du gouvernement en parlant de Bedford Claude parce que dans moment là mouché ça la recevoir en pile menace et menace pas petit. Zanmitay Haïti Media on yo nan sa ke mouché Bedford Claude sot entre la m'ap
rappeler nous, c'est parce que il était convoqué Ariel Henry le fait que non le cité dans affaire l'amour Jovenel la suite avec confirmation Martin Boute bail vie avec compagnie Digicel qui n'a goûté parler journée jodi a là yo joine Don Kato te relé Joseph Vincent bon mam bam bon menti bagarre la comprendre livin bail net comprendre bail yo vin tête en bas dans nous là mais nous obligé même depuis me joine causer a il faut que me parler l'autre bagarre encore qui cause que Rockefeller Vincent avec Ariel Henry nek sa ou pa parler c'est parce que Ariel tire les Rockefeller pour dire révoquer tout qui les Bedford Claude là pour dérespect dans ça le fait là et bien non encore révocation ça s'il était d'accord jusqu'à présent là Bedford pas dans place li et mouché Rockefeller Vincent pas jamais mandé avec Léon Charles pour renforcer sécurité personnelle commissaire c'est-à-dire c'est parce que Rockefeller Vincent a refusé prendre l'autre ça non mais mouché Ariel Henry qui la cause gain toute bagaille ça dans la communauté haïtienne. Les amis de Haïti Media Onyo, Ariel Henry ça, li prend pour Jean Bojel, oh oh, pendant non cité non assassinat, et puis wap bat kou, ou pas même penser là, l'anjou kap vini yo là, est-ce que c'est pas kou ou pral pran, ou ap pran pour zon, bon, comme vous qui dit tout, l'or ou lève la pral mouri, c'est les sali même li vin pi violent, vin pi méchant, pas oublier ou passe appel avec on certain de Badio, et c'est si c'est pas menti, son vérité, non seulement ENDDH palel, et en même temps li nan rapport de CBJA, kou nou wap bat kou kon sa, même pas bon menti, suite avec ça ou nèg yo les Ariel Henry a fait là moi même pas bon menti gon bagay moi qui louche dans dossier a gon bagay pour moi même que me pas capable fin percer moi capable comprendre et faut me dit tous amis Haiti Media Onyo suite avec bagay ça là ouais dernier note ça là que mouché Rockefeller Vincent Medeo a c'est capable dernier coup cap touyer coucou oui me gagne une information pour me partager là avec nous parce que c'est ça me là pour me faire c'est mission ça c'est rôle moi pour m'informer nous Rockefeller Vincent li gen tan révoqué de manière officieuse parce que nous tout comprendre nous t'es passé l'école et de manière officielle seulement pour qu'on dé yo pour gon bay qui dit là yo pour qu'on mette arrêté pour dire remplacer intel est-ce que vous comprenez mais de manière officieuse Rockefeller Vincent li pas en place encore même sous elle là monsieur qui ton est qui révoqué yo même comprendre monsieur révoqué depuis vendredi qui saute passé là hein ou pas de comme ça et bien ancien député Tolbert Alexis mouche ça li sous banc comme remplaçant sous pas de comme ça écrit là comprendre oh m'en sois regarder écrit dans caillou ça m'dou là parce que bon ça m'dou là jusqu'à présent son probabilité qui est bon parce que n'importe quel moment là capable bon l'autre coup de guidon qui fait mais selon information gen la Tolbert Alexis monsieur c'est un nan moun là cap chauffer pour regarder est-ce qu'il capable prendre tête ministère justice là mes amis bagay yo dwol pas bien si révocation ça fait la vini c'est après convocation Bedford te fait à l'encontre de Ariel Henry et révocation ministre te mandé avec les Rockefeller Vincent pour être capable révoquer commissaire et puis Rockefeller te comprendre il dit non pas un bagage comme ça c'est juste ça me cherche pour Jovenel Moïse que ce soit moun ou ya ou impliqué dans bagage ça et bien faut que ou gen compte à rendre avec la justice ça oui comme réponse Rockefeller Vincent te bay avec mouché Ariel Henry en tout cas zami ta Haiti Media Onyo yon nan bagage qui vraiment important intéressant Abdoula tête Ariel chokou evelan suite avec non mouché ça pas oublier te gon premier temps te dit pas nan parler avec Badio a dit tout kounya matin bout fini avec tout bagage net et ben monsieur que ce soit bagage la fait là m'a bon menti tout bagaille possible pour lui là pour capable toujours été dans poste et comprendre chef du gouvernement pour toujours chef dans pays là parce que à n'importe quel moment monsieur sujet avec prend code là parce que m'attendé là semblerait-il que au conditionnel que moucha lui même l'état d'accord pour gagner un exécutif à deux têtes un exécutif bicéphale c'est-à-dire pour gagner un chef d'état un chef du gouvernement monsieur fait comprendre lui même dans place qu'il y a tant que chef du gouvernement la prêté là seulement manqué un président dans pays là semblerait-il que monsieur d'accord parce que m'pa bon menti gon paquet l'autre parti politique qui pas d'accord si un accord nous qui te fait on prend dans caill mouché a dans tout passé là et bien là chi ta parler avec moun yo même gon ti bagay qui souffle m'na qui vienne dans zone moi droite semblerait-il que moucha d'accord gagne un exécutif à deux têtes pendant ce temps il te dit tout yel rachel pas ka gagne bagay comme ça il dit nous là monsieur tête li chaud li besoin chef et pas bon ici l'autre don nèg dans bagay qui wong moucha m'pa bon menti ka fait toute bagay là pour toujours être chef sinon la sujet avec code y a pas arrêter la jouer le chef là li jou immunité ou comprendre pas comment rien pas qui comment plume sous dol et ben journée jodi a mais côté pays d'Haïti tout même pas m'pa comprendre comment faire les nègres là dans activité personnelle li non pas de jambe qu'on cité dans vie tintinat dans vie bagaille ou comprendre aussitôt choisir rentrer colle dans politique là il faut qu'il dans démagogie comment pas comprendre ça vraiment pas capable imaginez nous on est couer Ariel Henry on
intellectuel, son docteur, moi connaît ça, moi son gros nèg dans pays a pour moi son belle tête, mais journée aujourd'hui a pour non monsieur a cité non mascarade. Mes amis, bagala vraiment drôle, bagala vraiment en pile ça, vraiment pas ka comprendre ni. Est-ce que c'est politique là qui sale même ou bien c'est politicien qui a fait politique dans pays d'Haïti qui sale? Ça sont gros questions poser là si toutefois ou connaît la gueule en bas dans commentaire. Pas oublier Mwenga Haïti gen deux produits, gen outils gen bon, gen outils qui sont pour ma qui fait avec environ 8 produits organiques qui là pour allonger tolpino de 3 à 5 cm ou passer régulièrement ou après merveille attendez dans fond jambou. Et en même temps gen bon dans les mêmes qui c'est un comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles qui là pour fort garçon comprendre pour éviter été frette ou baga garçon pour faire comab et non seulement la bon endurance pour capable arriver roman souterrain pour gen résistance et bien pour pas venir comprendre faire matière faire bêtise souterrain moun yo ou prendre 3 comprimés chaque jour dans moins qui une semaine ou supposé gars relé dans 3755 4606 pour acheter produit Mwenga Haïti yo. Si toutefois pas ici ou l'autre bord de l'eau, composez 514 886 97 76 pour moun qui l'autre bord de l'eau capable joindre produit Mwenga Haïti. Pas oublier application, li pa gen l'autre non sans même, li pote non Zabdil. C'est une application qui fait spécialement pour même qui nous a fait business ou même qui gon projet qui kanyak ou ta même mette le sous pied, mon pa gen client, pa gen problème, non fin dans notre application ça mette sous smartphone nous, fait photo produit à poster ou à pouvoir comment la vente koue pâte chaud et formule l'enceinte parce que mal fait te brave bon tacle. Ou comprendre, faut ta dire dans football ou yon compétition yon oui, et bien li simple parce que ou pas contre formule l'an avec Zabdil, moi si nomme le Zap, avec Zap ou pas fouti, prend vie tap rouge maman coulant dit la, li pa l'autre M&M Cosmetics, c'est un magasin en ligne qui vend en gros et au détail, m'balé plus français, ou bon, ah, qui vend en gros et au détail, tout qualité produit cosmétique, yon moun capable gen besoin pour faire corps belle, pour mettre dans boutique ou pas gen problème tonton, à toi ou abjoun turmeric, ou abjoun crème qui vête avec carotte, ou abjoun yon green face mask pour passer dans visage ou pour être tout petit pli, ou pas gen jeune femme, jeune garçon pour figure, ou gon figou kou, ou pas ket si boussole là, dans le fond à dit non vacances, tout petit moun abjoun mab, et bien figou kou et terrain mab là. Mes amis, ou bagay yo drôle, mes amis, pas oublier ou capable placer commande ou capable relé dans 707 596 37 66, yon fait shipping tout côté dans États-Unis, et forme d'où tout moun sa ou gon pou tu passe dans bouche là, la prête, comprendre un petit jan sel, pas prête sèche, la tout pap jam capable péter en bas Freddy, m'kon wap redi nan Freddy ya, pas gen problème, ou yon capable écrire yo nan MM Cosmetic 21 à commercialgmail.com, yon gen 10% rabais yap offri avec tout client yo, et puis ou capable al visite sur Instagram, sur Facebook, et forme d'où M&M Cosmetic c'est le royaume de la beauté humaine, pas oublier yon fait shipping tout côté dans États-Unis, m'kon redou ça encore, ou da même bon visibilité en promotion, écrit sur Haïti Media à commercialgmail.com, ma bolovla et en vérité ou pas ka pas satisfait. Je pense que je dis. Calé. Je pense ça. Je suis désengagé.
que thank you.
Mais lui-même comme ministre de la justice, lui qu'on doit lui, il n'a pas qu'à quitter des autres affaires faites dans le pays. Parce que pour Ariel Henry révoqué, quel que soit le ministre qu'il a, il faut arrêter à lui signer, tu vas signer donc un conseil de ministre et publier donc dans le journal officiel moniteur. Et maintenant faire les récents matin, débarquer le ministre de la justice. A toute sécurité, il est clair. Depuis qu'il est débarqué, le ministre de la justice, ce matin, là, à toute sécurité, il a pas arrêté tous les deux. Parce que le commissaire gouvernement est sous place. Si vous êtes un connard, vous écoutez Matin Débat. Ça c'est Matin Débat, il va le bagaille. Ici, Matin Débat. Bon, qu'est-ce que tu dis non? Aujourd'hui, ZBT. Gon conseil des ministres qui programme là à 2h30 dans la résidence officielle. La résidence officielle, qui est résidence officielle? Non, Gon conseil des ministres qui programme là, nous songez. T'es conseil SPN. Docteur Ariel Henry, conseil SPN. Il va inviter ministre de justice là. Ministre de justice là. Et qui sont maillots importants dans la chaîne là, parce que c'est des sécurités qui n'ont pas parlé. Qu'on conseille des ministres qui programmé pour 2h30 d'après-midi. C'est garder pour nous garder. Est-ce que on va l'inviter? On va faire les vaisseaux. Et si on va inviter, on va faire les vaisseaux dans le conseil des ministres, madame, monsieur, c'est pété dans le pays. Il y a une autre information pour nous. Mais bon, on va parler avec Central d'Atlantique et puis on va tourner là sur notre information qui est bonne. Pas virer bouton radio, parce que là, matin débat, ça, ce matin débat capital. Green Madame dit nous, semaine ça, ben, là-bas, le raid dans le pays. Déjà, dans le moment où on a parlé là, Carrefour bloqué. En haut bas de son, en bas va monter. Dans le moment où on a parlé là. Même motocyclette pas qu'à passer, faut avoir un endroit. Mais si vous bloquez là où il y a, parce qu'il n'y a pas d'accord, à façon que Ariel Henry lui-même prend la psy en quoi. Et il était content et déclaration barbecue. Ah oui. Barbecue qui était bon. Et avec toute bonne nuit. Donc semaine ça, madame, monsieur, problème dans le pays. On ne peut pas faire parler avec le sénateur là-dessus. Et puis on a tourné pour nous l'autre information encore.
Ça a rapport avec les questions politiques pays. C'est de là tu comprends. Eh bien, nous, la loco, nous saluons. Et ma vive en direct. Matin débat. Émission ça. Et toute sensation qui est là-dedans, l'information. Salut Josué, député. Moi, salut. Salut Louko. Salut tout le météo, toute l'équipe qui est là. Et son plaisir, Louko, pour nous là. Et j'espère que Gonaï va attendre nous. La Tibouni va attendre nous. Gonaï va attendre nous. La Tibouni va attendre nous. On nous commencer dans la jeunesse question, sénateur, là-dessus. Très bien. De la nuit du 6 au 7 juillet dernier, le président Jovenel Moïse a été assassiné. Une enquête qui ouvrit, FBI vient sur le terrain. La classe de l'opposition, les informations sont venues jeunes, non ? Qui est-ce que tes premières réactions ? Première réaction, le coup, c'est saisissement. Ouais. Paniquer parce que la bataille qui t'a mené, son bataille, j'aime dire qui est basée sur l'arme, un petit peu plus vers l'arme de la dialectique. Très bien. Nous pas jamais pensé au niveau bataille là, la dialectique des armes. Yeah. Et première réaction que tu as fait à 6 heures au niveau de Dearborn, nous t'es condamné Kremlin et nous demandé immédiatement que les mesures soient prises, que vous arrêtez et auteur et mené devant la justice. Yeah, ben. Ça c'était à 6h30 puisque nous communiquions avec l'autre monde et nous préparions notre là parce que nous t'es condamné ça crivé là et l'inacceptable parce que le jour que ça accepté il a continué en politique parce qu'il n'y a aucun président. Oui, ça arrive n'importe qui. Parce qu'aucun président. Mais moi, je pas pouvoir tout et puis on est débarqué. On n'a pas oublié, depuis le Sahara, son seul bâle m'a privé. C'est l'ancien commandant adjoint du GBL. Moi, j'ai demandé comment ça fait arriver. Comment ça fait arriver? Parce que président, il y a 4 périmètres de sécurité. Ok. Depuis, dans le premier qui c'est USP, dans le deuxième là qui c'est Katim, dans le troisième là qui c'est UNGPN, et côté lié président, que ce soit à la CAELI, ou dans Palais, ou dans la province, la police c'est la quatrième sécurité. Donc, comment on peut comprendre que un monde qui toujours a minimum 75 monde qui protège, minimum. Minimum. Parce que entre USP, Katim, UNGPN, nous arrivons déjà à 60. À 60, ok. Oui, qu'on y a la police qui fait périmètre dehors, il y a toujours au minimum 15 monde qui est là. Okay. Donc, 75 monde en permanence pour que. D'après ça, on dit des bouts d'entrée, Yoshuel, par un coup de zam, par un monde qui est blessé, ça a été en préoccupation pour nous, parce que moi, je fais 5 ans dans la sécurité résidentielle, et moi, je connais que chaque mois, nous avons un exercice sur le SOP, le Standard Operation Procedure. Comment que nous garder si nous attaquons, comment nous réagir, et pas des moyens pour que ça arrive. Parce que, bon, imaginez le président de Kai, ou gagner 6 mois qui dehors, à dire avant d'entrer dans la gare, ou gagner un GBN qui est dans le périmètre là, dans le portail, qui a contrôlé, sous Mio, qui a guéri, ou gagner 4 teams qui sont dans la tête de la gare, pour que si on n'a pas entré, il franchit un GBN lui-même, il protège, il est devenu, et depuis qu'on coupe de balle, qui tire, on gagne un respect qui doit courir à président, à le mettre dans le lieu dessus. Le président m'a entendu après lui, depuis Katouche, USP a été doué à prendre. USP a été doué prendre un président, mettre le nom lieu dessus. Ce n'est pas dans la chambre qui peut faire coup de fil, il a fait la partie de bon cœur. Et si le président a côté que pas de bon cœur, avant de dormir, faut que tu regardes qui côté à courir avec si vous parce que président que Rwanda gagne mon cœur mais si m'a regarder Mukaila gagne dans ces deux petits potes qui dans mieux que les sauver avec parce que dès que mon yo rentré grand pile coup d'âme qui tiré mais après rien oui après rien donc président entendez vous amis il espère doit prendre président et président les moun oui pas quitter le palais mettez-le dans lieu là pour même si n'a pénétré dans cette là il va jeune président si président dans cortège ils ont attaqué le cortège là, ok? C'est 4 teams à USP qui et USGBN qui vont bataille. USP a pris, ils sauvent la machine nia, et qui direction la bataille. Donc USP la mission de combat. Ouais. La mission de combat appartient à l'USGBN et aux 4 teams. Et à la police qui l'a. Comment faire au président après les à demander secours contre les USPDI pour se faire évacuer. Et quelle est la réaction du 4 teams qui en l'est? Parce que sur des teams, c'est des grenades, ils étaient sous des calames dans le problème. Mais pas que grenades. Donc là, l'entrée, est-ce que les gens vont réagir? Là où on fraîche le premier périmètre là. Mon cher sénateur, merci parce que vous venez d'émission ce matin. Parce que, ou la précision, ça y est. L'important pour PAT qu'on est, très important, comme spécialiste en sécurité, pour expliquer le monde justement, donc ça qui. Comment expliquer ça va là. Et que, en aucun cas, président, on va se battre à moi comme ça. En aucun cas. En aucun cas. Faut que mon guide obé. Faut que mon guide obé. Donc, c'est un pile bataille. Président, faut pas jouer ni dans l'espace là. Ouais. Président, t'es qu'on a un bon gueule, sautez lui. Oui, oui, oui. Par contre, si on a regardé le film à la maison. Mais monsieur, monsieur, depuis qu'on tire un coup à président. Dans mon gueule. Même s'il était avec ministre, évacuer le fouet là-dedans. Très bien. Et il a quitté l'autre monde de bataille. Sécurité présidentielle, avant 1994, il était assuré par les casernes de Saline et la garde présidentielle. Caserne de Saline, t'es joué le périmètre là. Ok. Garde présidentielle, t'es joué service center. Mais c'est pas sa raison que vous avez un bâtiment, ça a repris par l'air. Exactement. C'est pas sa raison. C'est pas sa raison. Ok. Parce que, président tellement important, c'est un bataillon.
okay. qui te défend le périmètre là. Okay. Et c'est peut-être ça, ouais, effectif UGBN, c'est environ 400 moun. 400 moun. C'est presque okay. un bataillon. Okay. Maintenant, les Américains sont venus, ils ont retiré la question de l'armée et ils ont mis un autre système qui plus semblait à pas français. À pas français, oui, côté que ils ont mis trois périmètres. Okay. Et le Américain a fait pour militaire, il a été l'île NPRG, okay. National Palace and Residence Guard. Mm-hmm. Ça veut dire que son corps qui pouvait protéger palais, palais seulement. Et résidence. Et résidence. Eh c'est ça que vient UNGBN nous traduit en français. Eh maintenant, le que ça vient arriver, il y a chaque unité au lieu mm-hmm. et chaque jour, de 8h à 4h. UNGBN doit faire 8h, 10h, sport. 10h, midi, cours. Midi, 2h, manger. Chaque jour. 2h, 4h, entraînement. Chaque jour. Chaque jour. Debout, UNGBN dehors, c'est président dehors. Si ouais. président pas dehors, anomalie. Debout, 4 signes dehors. Pour président dehors, s'il va dehors, anomalie. Yeah. USP, bon seule mission. Et président comme ça. Président doit manger là. Donc, j'ai reçu le mot ça prend là. Ouais, c'est la bêtise. Président doit coucher dans la cabane à madame Li. Ouais. Gros menace, il y a pris président à madame Yopou Yavel. Quitte le toutouni ou pas? Quitte le toutouni. Il y a fouet le bon gars. Parce que, à partir de moment gros menace, mm-hmm. le président n'est plus responsable de la situation. De la situation. C'est chef, c'est peut-être ça, que chef USPA, c'est chef sécurité présidentielle. Bien. Normalement. Nèg USPA, il y a plus de formation que le UGBN, que mm-hmm. USP. Mais mm-hmm. c'est chef USPA toujours, mm-hmm. parce que c'est lui, depuis qu'on menace, qui s'est président. Très bien. Et puis, lui-même, à partir de Bunkel, qui a commandé l'autre coupure. Alors, sénateur, dans le cas panneau, qui est-ce qui a gagné un rôle ça même? C'est le commissaire Laguel. Non, Laguel. Commissaire Laguel. Mm-hmm. C'est lui qui a gagné un rôle. Alors, c'est pas lui, c'est officier du jour là. Officier du jour parce que l'un par là, officier qui a été qui est responsable. Ouais. C'est officier ça qui pouvait sauver Avel. Okay. Et puis, parler avec Laguel. Mm-hmm. Et à partir de lieu que vous avez, mm-hmm. que simplement, président à famille. Ah, commissaire, même premier ministre, pour vous informer. Très bien. Ah oui. Côté président, dans le cachet, même premier ministre. Parce que pas contre côté ministre, oui, oui, oui. C'est le président, sa famille et le chef de la sécurité. Très bien. Et qu'on y a, au fur et à mesure que l'unité va défendre tête, on peut avertir les autres. Est-ce qu'on n'importe qui est le chef de sécurité président? Du tout. Pas. Du tout pas. Ça, qu'on chef de sécurité président? Le chef de sécurité président, premièrement, c'est un coordonnateur qui a coordonné trois unités. Il faut qu'il y ait capacité pour qu'on ait ses pas chef USP qui est. Il faut les trois unités que où qu'on est. Que c'est vous qui responsable yo. Bien. Parce que toute action yo, c'est vous qui vous passez l'ordre. Bien. Au chef de sécurité, il faut qu'il y ait trois formations. Il faut qu'il y ait une formation UGBN. Soldat. Dit, oui, il faut que ce soit soldat. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait une formation taxi blanc. Il faut que c'est unité spéciale. Okay. Et il faut qu'il y ait une formation service secret. Qui c'est USPA. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de continuation politique en politique également? Ah oui, qu'on y a en politique. Ça va le gagner, c'est président, c'est homme de confiance qui le choisit. Ok. Parce que président, depuis le vingt-quatre chef de sécurité, depuis le vingt-quatre chef. Oui, depuis le vingt-quatre chef. C'est fort. Parce que ça c'est la confiance. Exactement. Ouais. Donc son monde que président, globale notion de politique li, de tout ça qu'il a fait okay. pour le cas qu'on ait les menaces. Eh bien. Qui gagne par rapport à la sécurité. Eh bien. Et c'est peut-être ça qui a l'attitude, c'est pas un commissaire qui a baillé grade, non. Mm-hmm. C'est un commissaire que le président choisit. Choisi. Parce que le décret de août 1996, il dit que la sécurité présidentielle est une unité de police, mm-hmm. mais dont le fonctionnement dépend du président de la République. Très bien. Mais son aide qui est très influent dans le pays. Ah oui, chef de sécurité. Ah oui, son aide qui a de bons rapports privilégiés avec le chef de la police. Eh bien. Parce que depuis qu'on menace, premier monde pour l'investir, c'est chef de la police. Eh bien. Son monde qui a de bons rapports privilégiés avec le premier ministre. Mm-hmm. Parce que le premier ministre est un détenteur d'une partie de la souveraineté. Eh bien. Si qu'on menace, soit le deal. Soit le deal. Ouais. 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 Et son monde que président ville dépend de lui. Ouais. Et tout le monde qui a rentré dans le palais, si l'Igué doit bloquer, l'Igué doit bloquer. Même si le président dit l'entrée. Même si le président dit l'entrée. Ah oui, c'est arrivé avec Bob Manuel. Oui, Bob Manuel avec Préval. Oui. Bob Manuel a rentré dans le palais. Monsieur était gagné en série de armes fusil d'assaut. Le président Préval dit l'entrée, il dit monsieur va rentrer. Ah oui. On sent que tu es bloqué par Bob Manuel. Oui, parce que ma chef flamme est adjoint. Adjoint. Monsieur va rentrer. Monsieur était pour qui ça, monsieur va rentrer à soit team, que je ne pas contrôler, il gagne fusil d'assaut. Ok. Dis non, on va rentrer. Parce que je ne pas contrôler son affaire. Bien. Et que s'ouvrir le président dit que. Lieutenant Yuri la tortue, tu vas voter. Pour l'histoire et la vérité, donc vous bloquez moi maintenant. Bloquez monsieur, tu vas voter. On a le monsieur à voter, il est le président Préval, et c'était là, je veux dire, quelque chose de grand. Mm-hmm. Président Préval dit si vous ne pas rentrer, il y a un problème. Président Préval, il dit président, on connaît, bagage de bloc en sécurité. Il y a des menaces. Monsieur à voter, avec ZAM 2 points seulement, toute la poudre a pris dehors. Eh bien. Si ce n'est pas comme ça, moi, je ne suis pas responsable, et je ne vais pas quitter monsieur rentrer là. Et puis, il y a dit monsieur rentrer, à machine ni seulement. Et puis, tout le monde a voté. Tout le tout le monde est ça concept oui. Parce que normalement, moi qu'on est responsabilité. Ouais. Devinez ça, c'est que les délais à parler. Oui, non, okay, ah, oui, oui, là, là, problème, problème, oui. Mais j'ai fait mon travail. Oui, bien, bien, bien. Parce que son unité qui est fort formée, son unité spécialité, mm-hmm. mais qui n'a aucune mission dans la sécurité président, bien, et qui n'a aucune mission pour y entrer dans la valeur. Bien, bien. Donc ils étaient restés dehors, le président Préval remonter la sécurité, mm-hmm. et moral n'est wow. Ok. Parce que moral n'est pas dépend de gens qui ont été. De complètement. Ok, maintenant. Sénateur de la nature, ça c'est les. Équipe opposition apprend une nouvelle là et puis nous entrons dans la question de la sécurité, président. Exact. Maintenant, sur le plan politique,
sur le plan. Qui première décision nous dit après? Première décision nous dit après, nous dit que. Madame, monsieur, suivez-moi sur matin débat, ça très bien. Le président. Ok, nous commençons depuis la genèse là. C'est ça. Nous arrivons dans sa nouvelle chotière là. Le président a été assassiné. Mm-hmm. Personne n'a fait la révolution. C'est pas l'opposition qui mène le président pour le démissionner. Il faut inclure tout le monde. Clair. Nous faisons réunion le lendemain. Ok. Et nous dit. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Ok. Nous invitons Ariel Henry. Ok. Nous invitons Joseph Lambert et ceci à Oasis. Ok. Nous dit. Et pas ça nous t'a fait si c'est président de démissionner. Mais comme le président a démissionné, qu'il y a des forces en présence, mm-hmm. les journalistes, mm-hmm. PHTK, clair. L'opposition, clair. On va faire un consensus. Donc, on va caricater. Nous va caricater. On a choisi de garder Ariel Henry comme matin débat. Puisqu'il a été nommé par le président. Président. Par le président. Eh ceci pour satisfaire tous les journalistes, PHTK qui étaient d'accord. Mm-hmm. Et nous, avec des difficultés pour choisir le président de l'opposition, mm-hmm. nous dit on va aller dans le Sénat. Et on choisit le président du Sénat. Mm-hmm. Qui c'est Lambert. Qui c'est Lambert. Mm-hmm. Et nous dit, pour nous prendre résolution, pour nous prendre décision ça, il faut que un acte légal. Eh bien. Nous adresser à Sénat, ils ont même dit, ils ont désigné un monde, mm-hmm. même si ce n'est pas Lambert, par une résolution. Eh bien. Et nous dit, au fait. Et c'est là que résolution sortit dans le Sénat. Nous faisons résolution et okay. nous appuyons résolution. Est-ce que nous signons? Nous signons. Sortons là. Oui. Nous signons pour le contrat. Okay. Que l'exécutif est un exécutif de consensus okay. formé avec le président du Sénat choisi par résolution yeah, et le premier ministre déjà nommé yeah, et tout ceci PHTK CN. Ah, PHTK CN. Ah oui, le protocole là. Oui, PHTK CN. Mais qui va le gâter là, sénateur là-dessus? Il va le gâter, le que nous rivons. Côté comme à accords. Ariel Henry. Accord à gauche, accord à droite. Pour qu'on va accord, non? Justement, nous. Après, c'est résolution, ça t'a doué. C'est ça, finalement, la net. Oui, Ariel Henry qui était là, qui nous choisit comme premier ministre. Il vient de saler comme premier ministre, il a retiré Claude. Et puis, il dit le papa Salé Lambert. Il n'a pas de projet politique avec Lambert. Ah, c'est donc Ariel Henry qui dit le papa Salé Lambert. Il a dit qu'il n'a pas de projet politique parce qu'il va avoir l'exécutif bicéphale. Oh. Il va pouvoir ça. Oui. Comment qu'a fait décider ça, sénateur Latoche? Eh bien, ceci a été incompréhensible. Et c'est le ça que nous dit nous retirer soutien à Ariel Henry. Okay. Parce que il était présent. Il était présent à Oasis. Okay. Et les deux. Le sénateur Lambert et Ariel étaient présents. Et il y a tant de qu'on aurait un exécutif bicéphale. À personne d'installation. À personne d'installation. Yves Banou. Yves si. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Vous êtes ici Matin Débat. Ok. Ça, c'est très important parce que Fonso, 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 pour nous regarder maintenant. Donc, c'est Ariel Henry qui bloquait justement l'installation sur Jean Lambert là. Nous discutons avec elle. Il dit que lui-même, il n'a pas une mission ça. Ok. Nous dit, et le protocole d'entente. Il est salvé du il dit que le protocole d'entente est café, mais lui-même n'est pas café bicéphale. Et depuis le Sahara, nous-mêmes nous disons, attention, son bagage que nous t'entendons, vous étiez présent. Mais comment il a fait décider de parler lui-même pour le dire que n'est pas café? Comment nous-mêmes tout, comment le monde qui t'a signé le protocole d'entente, ça, comment nous juste assister sa fête, lui détourner le délit et puis. Et moi le jour, c'est pas même assister. L'heure arrivée pour que nous passions à l'exécution maintenant de l'installation du président, les îles pas rentrer la dalle. Et ceci a amené cette rupture. Parce qu'il y a la note, nous sommes pour changer Jésus, que nous dit, nous retirons soutien. Avec Ariel Henry. Okay. Maintenant, quelles sont ses intentions cachées? Maintenant, est-ce que c'est pas le jeu du blanc qu'il est en train de faire? Est-ce que nous rencontrons Daniel Foot? Est-ce que Daniel Foot lui-même, comme envoyé social, il était parti pendant qu'il a même route avec Daniel Henry? Comment Blanc lui-même, il comprend la question ça? Écoute, moi, je pensais que justement. Le groupe les Américains. Moi, je pensais justement que Blanc Gonja l'a manipulé. Et nous-mêmes, haïtiens, nous portons tête nous dans la question. Ok. Nous n'avons pas gagné un projet d'exécutif bicéphale, que la Constitution dit c'est ça, que un accord, même si tout le monde va rentrer la donne, mais un accord global quand même qui est fait, et on vient réfléchir ça blanc passé. Ouais. Parce que dans blanc, il y a deux temps de suite. Au départ, après la mort, il y a l'ambassadeur qui était là. Bien. Et l'ambassadeur, lui-même, il était toujours au exécutif monocéphale. Monocéphale. Il me passait, influence lui, il agit en pile sur Ariel. Sur Ariel. Et là, que l'Américain vient désigner un envoyé spécial, moi j'ai vu un autre discours. Ok. Côté envoyé spécial, ça lui-même, il dit que dès qu'il y a une attaque haïtienne, il entre là-dedans. Donc, moi, je pense qu'on a une influence, peut-être au départ, qui dit bon, écoutez, le premier ministre Ariel, le premier ministre et le président, bon, qui est allé à Vell, oui, le TB, oui. Et mon deuxième approche, et c'est en fonction de deuxième approche, ça, Loco, que je dis à moi, pense que le premier ministre Ariel, nous pas devoir aller. Okay. Nous avons fait un sacrifice. Nous pas devoir aller, justement. Non, nous pas devoir aller. Ouais, ouais. Nous avons fait un sacrifice. Nous ne pas connaître son cachet, tout. Non. C'est pas le nous fin fait pour vivre là. La vie est là. Ok, ok. D'accord, ça. Oui, d'accord, APC. Exact. Moi, je te dis, nous pas parler. Mais les gars disent, ensemble, nous avons pris une décision, nous parler. Il me dit, pas de problème. Okay. Et c'est pour cela, nous avons bien fait pour commencer dans la jeunesse là. Non, il faut commencer dans la jeunesse là. Parce que je ne suis pas obligé de mettre l'école. Nous te dit, téléphone capable de nous te dit que moi-même, personnellement, moi, je te dis, il y a deux conditions. Pour accepter, question ça, chat échaudé,
Grenoufod. Moi te dis, m'a pas l'entrer nous encore seul avec Ariel Henry, faut son accord inclusif. Très bien, très bien. Et moi te dis, et vous pouvez autour quelle position ça? Position ça. Très bien. Et moi te dis, forme éclairci, faut plan sécurité que n'a proposé à. Yo d'accord ou du moins, yo proposé un Dibibo Asem. OK. Ça fait deux. OK. Et me te dis, la dernière chose faut éclairci question bicéphale là. Faut clair sur ça. Parce que Ariel Henry vient d'adopter une position monocéphale. Oui, oui, bien sûr. Donc nous-mêmes, et c'est quoi ça l'opinion sénateur là, tu comprends que et dans l'opinion, je dis à là, c'est que tout le monde croit que la composition que nous avons avant et que je dis à nous changer de position. Non, du tout. Du tout. Dans ma balle de bruit, ça, parce que quand même, les tweets en fait, de André Michel sont là. Vous voyez que l'idée déjà alors dit que Ariel Henry donc, est inconstitutionnel, illégal et que il y a même en fait, parole barbecue qui parlait dans l'opinion. Mm-hmm. Et puis je dis à même Mounsa que nous pas d'accord avec lui et que nous et en plus, nous battons la question monocéphale là. Et encore, voilà que Chotian avec Ariel Henry sous question monocéphale. Très bien. Comment tu fais l'opinion nous-mêmes? Ok. Premièrement, Fandi et André Michel, un ami, il n'y a pas d'un signataire protocole que nous avons choisi Ariel Henry. Ok, dans la résolution. Il n'y a pas là-dedans. Ok, très bien. Lui-même, c'est SDP, il y a eu l'autre position. Le secteur démocratique, très bien. Maintenant, la question de bicéphale, c'est le premier point que Michita, sénateur Lambert, sénateur La Tortue, Ariel Henry, il est député à Oudan. Okay. C'est le premier point nous chita parce que t'es gros problème de bicéphale. Très bien. Lui-même, lui, dans monocéphale. Bien. C'est le premier point nous t'es dit éclairci avant nous garder à quoi. Fond d'évacuer ça. Fond d'évacuer. Et nous avons entendu ce qui suit. Ceci a été stipulé dans l'article 2 de l'accord. Dans l'article 2. Qui dit dans l'attente du rétablissement de la présidence de la République. Dans l'attente. Et dans l'attente, le Conseil des ministres, dirigé par le Premier ministre, exerce pleinement et effectivement le pouvoir exécutif conformément à l'accord et tel que défini par la Constitution. Bien. Nous te dit que nous avons privé en consensus côté bicéphale, nous avons appliqué dans deux étapes. Comme pour avoir un consensus sur question Lambert, la présidente, oui. Maintenant, on va mettre en place un gouvernement qui va exercer ce rôle-là, mais nous pour aller vers l'établissement du président de la République. Bien. Ça, c'est l'article 2. Ça, c'est l'article 2. De mais, il faut me dire un bagage. Article 2, hein, mais comment nous avons défini l'accord dans le dernier accord que nous avons écrit. Dans l'attente des conditions politiques nécessaires et des procédures consensuelles pour le rétablissement de la présidence de la République, le Conseil des ministres et le Premier ministre, conformément au présent accord, exercent pleinement et effectivement le pouvoir exécutif. Bien. Dans ça qui sortit. Il a dit que Ariel pas fait ça le non. Sans le Conseil des ministres. Non, sans le Conseil des ministres et dans la tête du président. Bien. Et jusqu'où il y a le bagage. Maintenant. Donc c'est sous base ça qui fait que nous t'allons. C'est sous base ça qui fait d'aller commencer. Commencer par là, monsieur. Par là, monsieur. Ok, bien. Maintenant, comme tout. Ça, il t'a mérité clarifié. Il t'a mérité clarifié. Justement, parce que l'opinion, parce que l'opinion, parce que nous faisons bicéphale. Ouais, nous t'en bicéphale. Et puis, on y a pour faire bagage avec poste. Non, ça qui dit. Et que nous, on y a nous d'accord. Donc, aller vers le monocéphalisme. Non, nous établissons que nous faisons par étapes. Ok. Et tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'est ça qui n'a accord final que je dis aujourd'hui. Ok. Maintenant, ce qu'on a fait, il a modifié. Et malheureusement, les cap gardé au passé. Les cap qui s'y est, il a gardé Bali. Il a Bali. Il a retiré un petit mot. Donc, texte initial là, c'est Bali qui a négocié là, t'es qu'un conformément au présent accord. Au présent accord, très bien, oui. Parce que c'est l'accord qui est la loi. C'est l'accord qui est la loi, oui, bien sûr. Dans le texte, il y a aussi un, c'est dans l'attente du rétablissement de la résidence. Le Conseil des ministres, dirigé par le Premier ministre, exerce pleinement et effectivement le pouvoir tel que défini par la Constitution. Ça veut dire que, monsieur Okou, Premier ministre là, rôle constitutionnel, donc l'accord ne tient pas. Ça, c'est l'accord. Ah oui. Parce que faut être dit conformément à cet accord qui était dans le texte initial là. Oui. Correct. Et dans le poil sien, l'homme garde moi, ça va la donne. Alors, premier accord. Alors que le texte adopté, c'était conformément à l'accord. Alors, dans le premier accord, et sénateur de la tortue, c'est comme mettre en veilleuse constitution pour que nous passions à la loi spéciale qui est cet accord. Maintenant, c'est accord que tu as légitimé. Maintenant, nous redonnons au Premier ministre le pouvoir tel qu'il est défini par l'article 59 de la Constitution. Qui dit en l'absence du président de la République. Et c'est le texte qui a négocié. C'est le texte. Alors, ça qu'on va signer. Ça fait passer. Non, moi-même, forme de m'battre le texte parce que je ne vais pas signer. Okay. Mais ça que fait nous passer. Ok. Ça extrêmement important. Alors, moi souligne ou anomalie. Ouais, très bien. Faut me dire. Ça très important. Ça très important. Maintenant, ça fait une passe. Fais pas lisa. C'est normal, ça n'a pas le pays dans tout problème, ça n'a pas. Les gars, ils ne confient pas bien des vidéos, ils ont fait bagaille pour chercher le pouvoir. Mais, et puis, ma gueule de Michel Languide, on a un petit chat, et puis, d'ici, hein. Pendant ce temps, il y a un courant de pour le premier texte, Inch'Allah. Il y a même le deuxième texte. Là, il y a un rapide. Maintenant. C'est pas ça, il n'a pas lisa, et puis, il n'a pas le pays dans tout problème, lui est là. Maintenant, et le gros point pour m'éclaircir avant, le premier ministre, depuis la première réunion, l'idée est dit sous table. Et le principe a été accepté. Tout n'est qui sous table là, n'a fait à quoi, monsieur? N'a fin signé, m'a chita avec nous pour faire gouvernement. Okay. M'a pris aucun engagement envers personne. Est-ce que nous d'accord à ça?
Non, c'est à quoi? Eh, non, depuis la première réunion. Depuis la première réunion, avant quoi? Avant quoi? Il dit la profère blanche de vanne pour le faire gouvernement à Venn. Ok. Donc, pas de aucun monde qui te prend, il te prend engagement en elle. Parce que tu n'as pas de ex-ministère. Non, ex directeur. Je te dis, ils vont faire blanche de vanne. Correct. Et tous les postes sont disponibles. Ok. Laisse à l'absence à tout le monde qui est en d'accord. En d'accord, d'accord. Nous avons adopté ce principe à la première réunion et à la dernière réunion du jeudi. Ok. Donc, là, on a parlé de force, bah, c'est mon avis. Oui, quand même. Vous voyez monter, mais pas de aucun monde à ma connaissance qui a un engagement, ni pour lui, ça n'a pas de engagement en elle. Depuis le départ. Depuis le départ. Maintenant, dans la première réunion, ça a l'occasion qui était faite à la primature. Dans la première réunion, on m'a été posé deux conditions. Je dis, Premier ministre, songez que nous avons déjà qui était très mal passé. Ouais. Je dis à moi, je viens là pour deux raisons. La question sécuritaire. Ma foi en plan sécurité. Parce que si que nous arrivons là, nous pas résoudre la question sécuritaire, ouais. Fontamara bloqué. Ah, non, non, bloqué. Non, nul. Pas rien. Premier ministre a dit, oui, sénateur, ce sont des détails. Je ne dis pas des détails. Pas de détails. Je vais y aller là. Je vais y aller là. Tout son détail. Oui. Je vais y aller là. Allez, nous sommes des détails. C'est ce que j'ai là. Je dis, Premier ministre, ce n'est pas détail. Si nous pas d'accord, ça à la papote qui doit aller. Ouais. Et puis on dit, sénateur, entends-tu, ou te mettre écrit parti sécurité à d'accord. Donc tout le monde vit d'accord okay. À la fin bien. Que sur le plan sécuritaire, bien. La pécril, et ma foi en plan que m'a promettre le lendemain. Bien, bien. J'ai fait le plan, moi je vais mettre à Premier ministre, moi je vais mettre à la police. Le lendemain. Ou le lendemain. Mm-hmm. Et le lendemain, tu travailles sur quoi? Mais écrit parti sécuritaire là. Bien, bien. Qui soit regardé. Qui ça le dit? Parti sécuritaire là, c'est la mise en place d'une unité antiterroriste okay. Qui pour gagner la dimension de bataillon. Okay. Avec 300 éléments. Okay. Parce que le problème de la police réagit par équipe et par escouade. Ben, escouade. De petites unités. Ouais, mais le problème qu'il a, il mandé aux réactions militaires. Militaire, par ouais, une grande unité. Ouais. Et Forme dit ça, loco, pour la vérité. Tout le monde était d'accord. Il dit ça correct, sénateur, okay. N'a pas écrit. Parce que quel que soit le gouvernement qui a vu, il faut qu'il résout le problème oui. De sécurité. Non, mais écoutez, quel que soit. Le problème, c'est pas le plan de sécurité. J'ai trouvé le soutien de tout le monde qui était sous table là et du docteur Ariel Henry. Mais j'ai dit au Premier ministre, à la dernière réunion, c'était le jeudi de la semaine dernière. Okay. Moi, je dis, Premier ministre, nous d'accord sur quoi? Mais pour le bail, nous manquons. Pour mettre à appliquer sur sécurité, il faut que j'ai une adhésion. En pilote, il y a même seulement, non? Oui. Il y a un problème, légitimité, légalité, suspicion. Correct. Faut nous inviter l'autre monde, oui. Tenez le coup. Il était 11h30 du soir. Le Premier ministre. L'autre dit l'autre monde, vous voulez dire ça? La commission, le tiers du Sénat. Le tiers du Sénat, très bien, ok. La commission, oui. Marché pour la vie. Ok, Madame Como. Les chefs de liste. Les chefs de liste, très bien. Madame Como. Ok, ok. Ils fait en lettre. Donc, on va faire tout le monde sur table. Non, faut yo vini sur table. Parce que nous venons finir entendre nous-mêmes. Oui, bien sûr. Faut yo vini oui. Pour yo parler avec elle. Maintenant, libre à eux, si yo pas voulez vini, oui, oui. Mais il faut les inviter. Bien, bien. Mais donc, est-ce que, pour pas en parler, sénateur, est-ce que notre plan ça vous proposer, hein, ou t'es tout profité, tout demander des GBNH là? Non, moi, je vais laisser le plan, oui. Alors, je vais expliquer au côté, okay. Bah, l'arrivée le passé. Je vais l'ouvrir dans le plan. Okay. Parce que le plan, pas de problème, il est accepté, je vais l'ouvrir, ça me demander. Okay. Maintenant, à 8h, député, yo écrit Magali Komo. Yo écrit Tier Sénat. Le vendredi matin, yo écrit tout le monde, yo invité. Par exemple, Magali, tu es invité pour dimanche 2h. Oui, très bien, moi. Et puis nous dit, après, on finit de se voir, Mounio, le Sanapsien. Ça t'avait dit que, grand compte samedi, Pata doit exister. À 3h, on m'appelle, on me dit de venir signer demain matin. Oh, à 9h. Moi, nous faisons Zoom, nous dit que tout le matériau, nous allons signer à quoi ça. C'est pas possible. Parce que le Premier ministre doit rencontrer moi personnellement, malgré tout le monde, sénateur Lambert, Tier Sénat, et Gédéon Jean, la commission m'a dit, il faut venir, il y a une possibilité. De trouver une entente. Parce que fondamentaux, nouveau CEP. Nous allons entendre le sujet. Nous allons entendre. Qu'on y a, c'est sur la gouvernance. Bien, bien. Il faut venir. Il faut venir. Ouais. Mon Dieu dit à venir. On m'appelle maintenant à 9h pour dire qu'il y a une urgence, on doit signer. Donc, non. Je vais te mettre dame derrière. Moi, dis non, pas venir. Tu vas te coquer. À minuit, nous faisons jusqu'à minuit. Okay. À minuit, on a décidé d'avoir une réunion à 8h pour nous parler de ça. Pour que nous décidions justement sur ça, que nous ne pouvons pas faire. Ok. À 8h, comme bon gars, nous levons présent. Mal en réunion. Samedi matin. Samedi matin. L'homme arrivé, moi, on bagarre les vignes, journaliste à venir. Je dis, attention, ma vie dans la situation là. Ma vie dans la situation là. Je vais après pièce moun. Ok. Vin dim. Je dis même du moun. Quelle est la pièce que je prends là? Oui. De toute façon, moi, libre de tout mouvement. Et que oui. Si on a déplacé. On a discuté. Le Premier ministre était d'accord avec, sur la question vraiment, il faut recevoir Mounio. Mais une grande majorité qui dit, il faut recevoir Mounio. On doit attendre. C'est plus signataire qui exigeait pour document signé. Je ça me dire. J'ai dit au Premier ministre et j'ai pris la parole en premier. Ok. Je me dis, Premier ministre, ne pas signer. Vous avez invité Magali Komo. Yeah, comment je vais regarder cette personne dans les yeux? Oui. Comment que vous pouvez le dire que vous signez un accord et pour éviter? Il y a une grande différence entre un accord d'adhésion et un accord d'entente. L'accord d'adhésion, c'est l'on va être la banque ou mon papier. Correct. Ou pas que l'autre va vous faire ses signes. Parce que si on canne banque ou vin ouvert, la banque là va discuter avant. Mais on tente. Et la lettre adressée, Lugo, député, Josué, la lettre adressée à Magali Komo dit.
C'est une rencontre pour une discussion, pour trouver une entente. Une entente. Ouais. Est-ce que une entente veut dire une adhésion? Non, non, non. Premier ministre, vous avez écrit, vous avez signé. Dans le pays, ça a fait respecter les paroles, non. Ouais. Malgré tout, comment, ils ont décidé de signer et moi, je me suis retiré. Et moi, dis-moi, ministre, va aller. Je suis prêt à signer un accord inclusif. Ouais. Je suis prêt à appliquer avec tous les autres experts le plan de sécurité. Ouais. Même dans la politique depuis 10 ans, ouais. Faut me garder la tête haute. Je vais signer ça parce que je vais regarder mon dieu nager. Je vais inviter et puis je signer et puis je vais passer dans la tête. Ce sont des intellectuels, ce sont des citoyens, ce sont des gens qui sont dans le pays qui occupent les sécurités. Je dois diviser avec Job Delis. Je dois avoir la même intention, mais c'est un secteur de la population. C'est clair, c'est clair. PHTK, c'est clair. Bakali Gomo, bon gens qui ont passé. Et, logo, vous n'avez pas le droit d'engager. En rien, non transition comme ça, sans légalité, sans légitimité. Eh on aurait toujours les mêmes problèmes. Mais question qui t'a surtout réservé à poser à Dr. Gina Boulos. MTV, t'as mes motivations. MTV est parti avec moi. C'est de même. Mais après, ils ont pris la décision de signer. De même que PHTK, puisque. Oui, de même que PHTK. Et bien, ils ont pris la décision. Je ne vais pas commenter. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'assume ma position. Ok. Alors, il y a un comité et groupe et Magali Komodeni en tout qui ont évité. Qui a lui-même by that pal pour le tourner. Est-ce que c'est pour signer ou bien est-ce que c'est pour discuter et ça c'est un point de vue. Écoute, l'objectif c'est qu'il y a une entente. Claire. Qu'on invite le tiers du Sénat, qu'on invite les journalistes pour venir regarder et qu'il y a une entente. Claire. Et l'entente, c'est pas honte pour tout le monde d'accord, non? Un consensus nécessaire. Nécessaire, ouais. C'est-à-dire que vous discutez. Un sacrifice pour le pays. Un sacrifice pour le pays. Claire. Et là, ça, loco, maintenant je viens au plan de sécurité. Pas canon la police, côté que policiers, ils ont traumatisé par des opérations qui pas réussi. Yo traumatisé par le fait que yo pensé nèg yo gen pi gros âme que yo. Moi le prend yo m'a engagé yo dans des opérations que opération moun qui fait la blague toute légitimité. Faut gagner. Alors et puis connait n'importe qui ça le fait, yo dit massacre. Yo dit massacre. N'importe qui ça le fait. Yo accusé. C'est clair. Et en tant que responsable qui fait formation, comment moi le dit policier agit s'il n'a pas la nation derrière lui. C'est clair. Donc moi pense que les règles d'engagement de la police exigent cette légitimité, cette égalité. Le plan de sécurité, c'est une question technique. Mais les règles d'engagement sont une question légale et légitime. Et si vous ne voulez pas faire ça, ils n'auront jamais un minimum de sécurité. Et donc, comme je dis, vous venez ça. Si il y a un accord avec un consensus nécessaire, ban 3 mois pour un résultat. Dans 3 mois, oui. Dans 3 mois, il y aura des résultats. Donc, non, nous ne va pas résoudre. Mais il y aura des résultats. Un résultat. Et si ça fait, si vous êtes entré dans le gouvernement, révoquez mon nom. Parce que, bon, engagement que l'on prend. Correct. Mais l'engagement, il y a deux conditions posées. Faut que le plan est adopté, on est d'accord, on n'a pas de problème. Seulement, c'est le budget après débat à la police. Ok. La deuxième chose, c'est la question de la légalité et légitimité. Je dis à. Donc, c'est une unité quand même qui t'a payé dans la police. Il t'a payé dans la police. Mais il t'a payé un fonctionnement à part. Ok. Par exemple, on avait déjà trouvé le lieu, m'a besoin de dire. Oui, monsieur, monsieur. Unité, ça l'a toujours en condition D. Il t'a payé quartier général. Il t'a payé quartier général. Il t'a payé un commandement qui est à part, mais qui dépend du chef de la police. L'État a gagné 3 unités à l'intérieur. Une unité d'infiltration. Ok. Une unité de renseignement okay. Et une unité de combat. De combat et unité ça, par exemple, l'autre travail à faire que ça seulement. Que clean up. Clean up. Il n'a pas opéré deux côtés à la fois. Okay. Et derrière cette unité, nous dit immédiatement, après cette opération, l'État doit s'engager dans les quartiers populaires pour la question sociale. Eh bien sûr, parce que c'est 20 ans, 30 ans de dégénérescence qui fait grand pile jeune qui rentre dans ça. Oui, donc je dis, si on n'a pas engagement de l'État, comment ça va ça, ça d'abord oublié. Ah oui. Donc, moi, pense que je dis, sénateur Latour, si tu gagnes toute carrière d'EM, si mon côté, je connais longtemps, je vais vous dire, sénateur, ça ne va pas passer là. Non, ça ne va pas passer là. Non, mais tu n'as pas parlé de vous. Ah oui. Donc, en un mot, sénateur Latour, nous, plan ça, il va exécuter avec l'actuel DG de la BNH. Écoutez, moi, quitter question remplacement, je ne suis pas dans l'exécutif, je ne vais pas influencer personne, je ne vais pas quitter décision remplacée ou pas, non, mais nous. Non, mais nous, ok. Dès que le monde quitte la CAP gouvernale, il y a légitimité, lui-même l'a décidé. Okay. Nous avons bien rapport que nous faisons. Okay. Mais je ne vais pas aborder le conseil pour ne pas dire sénateur, il y a des prérequis. Il y a besoin de changer mon nom. Okay. Moi-même, je suis entré dans la technique là. Et besoin d'autorité qui a fait la légitimité. Un qui est confiance. Oui, pour que le rapport soit venu, il est évalué. Je ne vais pas décider de ça. Parce qu'après, c'est sénateur. Quand tu es là, vous sortez, vous allez parce qu'on va signer. Ou est-ce que vous sûr que le Parlement, ça dit Sénat, pour ne jouer aucun rôle dans cette fête là? Sénat, pour ne jouer aucun rôle. Sénat, pas là. Non. Sénateur font résolution, il était inappliqué. Moi-même, moi, quoi que, sénateur, tu as un rôle, et c'est pour ça que je me demande d'inviter le Sénat. Et je dis, ah, là, la sortie de la situation, c'est un accord inclusif, avec une application de plan de sécurité, un budget normal, et le suivi pour la question sociale. Voici le plan. Deuxième question, Dame Mando. Vous faites connaissance sur l'expérience de la Soule, toujours comme international d'État. Est-ce que l'expérience avec les États-Unis, qui ont chargé dans le dôle, comme père de démocratie, dans une zone, mais pas par démocratie. Est-ce qu'on pensait
États-Unis qui viennent supporter ou encore en dehors du Sénat. Pas du tout, laisse-moi te dire. Est-ce que vous avez signé samedi ou une bonne réaction? Ah oui. Alors, c'est là, une analyse. Madame, monsieur, ma télévision. En intelligence, on se comprend. Ça vous dit, c'est très important. On nous garde les réactions. Alors, nous ne devons pas nous dire ça en analyse là. Nous devons garder les réactions. Donc, quoi, vous plaisez, question à quoi? Moi, je pense que cet accord est considéré comme les autres accords. Comme les autres accords, très bien. Ah oui, c'est une de plus. Alors que, on voulait résoudre le problème. Correct. Parce que, il y a des gens qui pensent pouvoir, l'homme privé m'a géré le pouvoir. L'homme a le pouvoir, il faut planifier. Et c'est cette différence que je voulais aujourd'hui, que nous-mêmes par expérience, nous faisons. Moi, je ne sais pas, peut-être on l'a fait, lui. Mais je dis, je plus de non, oui, monsieur. Je dis, je suis sur le harnais. Moi, je comprends le pays, ça. Le président, il faut dire au premier ministre qu'il n'a pas de légitimité, qu'il n'a pas de légalité. Faut me dire au premier ministre, là, moi, je m'a regardé le danger, que je suis en opposition, que je suis contre Jovenel. Il faut intégrer les journalistes. Il faut intégrer le PHK. Faut me dire au premier ministre, là, pas profiter de nos situations pour penser c'est pouvoir mal gérer. Mm-hmm. Vous êtes un coordonnateur pour faire avancer une transition pour les élections. Faut dire à premier ministre là que ce pouvoir, c'est pas un pouvoir, même si on fait consensus là, on ne peut jamais gagner toute légitimité. Il faut avoir les autres instances avec vous, le Sénat de la République, la Cour des comptes, la société civile, le secteur privé, pour que vous arriviez des élections fiables et viables. Nous, ouais, que Daniel Foud dit, si pas bon accord, la question des élections, c'est une ouïe vers l'échec. Mais c'est vrai, utile. C'est l'expression de la pensée de la communauté internationale. Sénateur, l'entends-tu? Assassinat président Jovenel Moïse. Ou de on n'a pas mis monde que la justice tire. Ils sont défaits en tant que bon citoyen. Et, ou paraître devant la justice. Le docteur Ariel Henry, rapport de CPJ page 108, confirmé que lui parle avec Badjo pendant soirée, pendant matinée, très tôt, dans le périmètre. Après assassinat. Après assassinat, le commissaire Maître Bedford Claude invite le. Qui réaction sur ça? Très bien. Le coup, moi, m'habitue. On allait homme de loi d'abord. Ah oui. Moi, m'habitue plusieurs fois. Je traîne dans l'ULCC. Allez. Ou ouais, motif sénateur. Allez. Oui. Bah, qu'on a rien dans l'assassinat Jovenel. Premier, mon Dieu, moi. Allez. Moi, je crois que la théorie principale, dès que la justice est là, il faut aller. Quelle que soit la position. Cependant, réserve que moi gagne au niveau des procédures légales. Il y a une procédure pour reler premier ministre. Ça, c'est premier. Hein? Normalement, reler premier ministre dépend de président de la République. Mais comme ce n'est pas président que là, c'est le conseil des ministres, le conseil des ministres doit statuer sur cette question pour dire s'il va aller ou pas aller. La deuxième chose, le commissaire du gouvernement, lycée essence de poursuite. Il y a trois essences. L'essence de poursuite, l'essence d'instruction et l'essence de jugement. Dès que le dossier a sorti dans l'essence de poursuite, là, il est dans l'instruction, il revient au juge. Donc, juge là obligé quand même. Il revient au juge d'instruction. Maintenant, commissaire, là, si j'ai une information nouvelle par rapport à ça, le dévoué, il doit faire un réquisitoire supplétif. Pour que il complète le dossier, vous voyez, le juge là. C'est dans le cadre de réquisitoire supplétif là que peut-être il y a mandel. Ou bien, il voit le juge là pour juger l'attendel. Quel que soit le cas pour moi. Mais le juge est indiciel. Oui. Donc c'est son indiciel. Exact. Mais quel que soit le cas, moi-même, Ariel Henry, moi pense que faut l'éclaircir ça devant la justice. Moi pense que s'il n'est pas éclairci, il a pris ton doute sous tête tout le temps. Oui, pour payer. Ouais, si je ne pas présenter les belles fêtes. Non, tu l'as toujours. Ah, mon cher, tu as toujours la question. Oui, oui, justement. Moi, quelqu'un qui va présenter. Oui. Il va dire rien. Il va dire rien. Mais si moi-même, je ne vais pas présenter la plaquille. Et premier ministre, là, mon déficit. Que le gagné là, le fait qu'on a vu deux appels après. Après donc les vignes ont irrité, je veux dire. Les vignes ont irrité, et moi-même, je pense qu'il faut éclaircir. Au nom de la morale politique. C'est ça. De l'éthique politique. De l'éthique politique. Je pense qu'il faut l'éclaircir. Parce que s'il n'y a pas ça, la poteau en question. Et là, ça, on va prendre un petit tout bas, moi, on est qui conduit, il dit que c'est tout à ça, c'est Jovenel Lukizien. Parce que, il y a des gens là-dedans qui ont un mandat et ils n'ont pas présenté. Et il y a pile de gens qui sont dans le domaine. Ils ne sont pas vrai du tout. Ils ne sont pas assassins. Ils ne sont pas aller dans la question. Et Jovenel. Mais ils ont occasion à des gens pour que Jodia vous parle. Moi-même, je pense que Jodia, il y a un éclaircissement qui vous fait. Pour que Ariel Henry ait revêtu de légitimité et qu'il ait repris le commandement. C'est ça, je pense, qu'il doit faire. Maintenant, l'éclair. Alors, ici, on a maté un débat. Compréhension justement de la situation, Jacques le sénateur, toi tu dis là, c'est que Gon International a gardé nous, Gon Kokou a gardé nous. Donc il y a le blanc qui nous regarde. Et ouais, on va réagir maintenant sur la question encore là. Donc il vient d'apparaître, donc à quoi ça sont encore en plus, ou encore t'as tout autre accord. Maintenant, politiquement, qui s'est passé dans le pays là, sénateur, toi politiquement, qui s'est passé? Écoute, moi je crois que. Parce que là, quand même, c'est des faux pas que Dr. Ariel lui-même. Moi je crois que si Gon a quoi en plus, il y a deux bagages. Et ça va carrément sans conséquence. Oui. Docteur Ariel arrive à gagner légitimité et l'apprendre gros goumet à l'autre groupe. Oui, bien sûr. Parce que
ils pensaient qu'ils mettaient au dehors. Correct. Deuxièmement, il n'y a pas aucun moyen de communauté internationale. Ok. Parce qu'il y a pas ces son accord en plus. Correct. Ils n'ont pas pu rentrer dans la gouvernance qui va avoir un accord global et inclusif. C'est clair. Et là, ça, on parle de nos situations, on n'a pas les moyens, même pour payer employés. Même pour résoudre les questions de sécurité. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Et on va arriver dans nos situations, côté que, par faute de moyens, faute d'action. Ouais. Et là, ça, ouais. Pays a retrouvé dans un train d'enfer, côté que l'insécurité, le chômage, la misère. Le chômage a pire mal encore là. La vie mal. La vie mal. Parce que, à quoi Ariel Henry a été doué l'accord? Il était doué l'accord, très bien. Parce que c'est un accord d'État. Ouais. L'autre accord, c'est des citoyens qui font. Mais l'accord d'État a été posé à l'administration. Et si l'accord a été posé à l'administration, qui desservit des citoyens, il faut chercher adhésion. On t'a dit, sénateur Latortue, et. Communauté internationale t'a prononcé le favorable à quoi ça? Ça qui va le passer? Écoutez, moi pense que communauté internationale a toujours des lignes pour faire Haïti échouer. Parce que la majorité de monde baladan ou tout d'accord, c'est on a quoi bout de ma vie pour essayer de faire. Et l'on le cas, c'est figure devant le mur, on a dit ça haïtien. Juste, moi-même, moi, que il faut encourager l'accord global et inclusif. Hein? La question de monde qui pense à réduire, à faire retirer sa mentalité. Oui, ça finit. Et toi, il faut créer un climat propice pour organiser les élections afin d'avoir des élus légitimes. À travers tout ça, sénateur, mais il y a le temps qui joue contre nous. Étant comme chef d'État, responsable, pays. Écoute, c'est peut-être ça, nous t'ai accepté sacrifice pour nous faire bicéphale en deux temps. L'un dit, nous faire bicéphale en deux temps. Je ne sais pas que nous ne voulons pas installer le président tout de suite. Nous constatons l'école va l'ouvrir. Nous constatons la période cyclonique. Nous constatons l'insécurité grandissante. Et puis, tremblement de terre qui sont passés là. Tremblement de terre là. Nous constatons que l'aide de la Malgérie nous dit, on met le gouvernement toujours. Le président viendra après. Et là, nous n'avons pas un plan sécurité. Nous avons donné un temps, un mois, que y a formé les gens préparés pour l'action. Et puis, nous avons l'autre unité, nous pouvons voir qu'il faut bien en attendant. Ok. Et nous te dit dans 3 mois, il faut avoir les résultats. Okay. Parce que dans 3 mois, le CEP doit lancer les opérations. Les opérations. Donc, c'est un calcul fait en fonction de délai, en fonction du temps. Mais à partir de ce d'accord, combien de temps en fait, c'est les 12 mois. 12 mois à partir de l'installation du CEP. Ariel Dapla, donc pour 12 mois. Oui, à partir de l'installation du CEP, 12 mois pour organiser toutes les élections. Donc là, nous t'as parlé de 2022, fin 2022. Exact. Fait élection, élection t'as fait en novembre ou bien en octobre? Octobre ou novembre. 2022. Et c'est là où t'as privé, où t'as gagné élu. Et dépendant de 7 février 2023, exactement. Ou bien des élections en retard, ou bien doit avoir un retard dans la barre là. Ok. Parlement installé, président installé. Maintenant, le tiers reste. Du Sénat. Le tiers du Sénat. Tu as parlé? Mandat a fini, justement, en janvier 2023. Et le SA, il a fait élection pour les 3 sénateurs. Donc, moi, je crois que dans le schéma que nous avons, il manque l'accord inclusif. Il manque l'accord global. Et je dis, on n'est pas à penser parce que où tu es dans l'opposition, et bien on entend avec Ariel, et puis c'est bon. Non, c'est bon. L'opposition n'a pas fait la révolution. L'opposition est un acteur. Les jovenelistes sont acteurs. PHK sont acteurs. Regarde 1956 que Makoupa la donne, 1947, non, du tout. Et là, ça va toujours frapper tête ou non mu, et non mu ou frapper tête ou là, ça va dire pas faute pam. Mais vous êtes engagé dans l'échec. Bien sûr. Et ça fait me dire, l'homme politique planifie avant de prendre le pouvoir. Avec une équipe également. Mais le politicien, dans une définition haïtienne, il prend le pouvoir et essaie de planifier. La bagarre, ça va le faire. Donc, moi, quoi que je dis, attitude ça, que nous gagnons. De parler avec des gens, dis moun yo que depuis la fois qu'on a pris les yo, ou écrit yo, et pour abstier, non, c'est prendre les enfants du monde du Bécala Sauvage. Dernière question, sénateur Latortue. Est-ce que l'aspect de la réforme constitutionnelle n'est pas abordé dans le dialogue yo tout? Parce que, c'est l'information, Dr. Ariel Henry, toujours été accroché à la question référendum. C'est ça. L'aspect constitutionnel a été abordé, et justement, c'est ça. Nous avons dit, il faut mettre sur pied une assemblée constituée qui va regarder tout le travail. Même travail que Jovenel Léa, travail d'université, pour travail d'Irita Dieu, pour regarder tout ce qui fait sur la constitution. Okay. Et nous te dit justement, c'est dans la concertation que nous allons déterminer, j'en ai fait adopter. Parce que je dis à la constitution, nous te reproché avant que le patte l'affaire nationale, faut que son projet national. National, mettre sur pied l'Assemblée constituante, c'est une étape. Okay. Des gens qui vont réfléchir sur le texte là. Mais adopter à son autre bagage. Et il faut que fois ça nous t'ait abordé en l'autre façon. C'est une après l'autre. C'est une après l'autre. Donc, moi je pense que le pas qui manque nous, si as-tu ça qui fait apprécier, oui. Il va bon. Moi-même, je suis prêt. Oui, pendant ma parler là. C'est quoi encore global et inclusif? Ma responsabilité de la sécurité là. Et je demande 3 mois pour des résultats. Sénateur Latortue, est-ce que là, tout nous te ouais, prochain journal, ou courant, nous pas discuter sur. Nous te mettons continuité. Alors, dans la mission du gouvernement, garder point 13 et 14. Il faut qu'il y ait continuité de ces projets. Tel la question le courant, et bail courant, qu'a fait Carrefour, la route de Port de Paix. Et il y a un pile de projets que vous avez cités. Parce que ça arrive là, c'est un consensus.
OK. C'est pas une révolution. Même si en Afghanistan. Oui, bien sûr. Qui changeait. C'est le consensus. Radical. C'est le consensus qui m'a dit pour que nous, on lance nous dans le continent. Bon, même si c'était une révolution, si on a commencé à faire une route, on va venir. On va finir. Et vous, d'abord. Si on commence à faire une route, on doit changer le programme d'orientation. Mais les questions de projet. Correct. Faut continuer, oui. Correct. Parce qu'il n'y a pas de discussion sur ça, non? Non, pas quelqu'un soit, on va aller louper, on va vendre, ou bien on va. C'est clair, mais c'est quelqu'un soit, j'ai dit, on va se faire route. Donc, moi, nous, on doit critiquer façon de faire, yo, mais il faut continuer ces projets. Et ou pas qu'à, en tant que d'État, rentrer nos bagailles pour essayer d'effacer. Correct. Parce que, comme l'État qui est dépensé dans ça, nos bagailles qu'on va non? Oui, c'est vrai. Son budget de 2 milliards, nous, qui, faut nous faire pile les fois, oui. Je dis à droite, on va rentrer, non? Donc, moi, je crois que Louko. On est prêt. Premièrement, il faut mettre en tête, non, c'est un consensus qu'il faut pour gérer ce pays et pour aller vers la résolution du problème sécuritaire et ensuite aller vers les élections. Sénateur Lantu, dernière question. Dossier Mercène Jean-Louis. Ça te passe à mettre, monsieur. Ça te passe. Bon, je vais répondre, non, chef. Non, non, pas répondre. Dernière question, madame, monsieur. Pourquoi on met Mercène et Mougraï? Moi, j'ai le Mercène. Avant encore 5 juin. Ça te passe là. Moi, je dis Mercène. Côté question arrivée là. Après la pause. Moi, je dis, mais personne, question question arrivée là. Moi, je pense que dans telle conjoncture, il était bon, mais là, je ne sais pas que. Il va gagner, mais comme ça. Il va gagner, mais comme ça. Ou clavez-vous. Oui. Moi, je dis, mais quand arrivé, n'a pas essayé comment on peut réintégrer le cours de cassation, OK, pour que vous jouez un rôle. OK. Mais, rôle, ça, moi, je vais mais combat qui là, bagaille, il a changé. Mais c'est toi, le choix de mettre mes scènes? Non, c'était au moment du 7 février. Laisse ça, symboliquement, il fallait avoir un président. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'un évolue, nous venons 5 juin, je venais là-bas avancer, nous avons dit qu'il faut un premier ministre sans président. OK. Parce que nous devons jouer un consensus avec et Jovenel, pour nous dire que, où vous allez, premier ministre a choisi son consensus entre nous deux, et qu'on nous fait pour nous faire une élection seulement. Donc le 5 juin, j'ai expliqué au président Mercène. Comme nous, on va finir avec nous. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas content. Ou pour ton parole, comme ça. Mais, Loko, mieux vaut dire parole là. Non, mais écoutez, monsieur, mais écoutez. Mais mieux, vous politique. Oui, parce que ce sont des gens que je vais rencontrer dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Moi, allez, moi, expliquer. Comme du j'étais avec quand même Pierre, qui était là, Serge lui, et qui lui-même, c'est mon parent, qui a aidé dans la question, qui a dit qu'il faut comprendre. Le sénateur est venu pour expliquer, au lieu de l'ouïté, nous t'en dans la radio. Oui, il parle là. Enfin, à quoi la sortie, moi, expliquer. Et puis, maintenant, l'accord du 5 juin, c'est un accord de premier ministre sans président. Mais comment lui-même lui voit ça personnellement? Il te dit, écoutez, sénateur, qu'on est, et moi-même, moi, pas de problème, moi, qu'on est depuis petit, mieux vaut que vous dites-le. Sous les pas bon ou dimli, sous la bon ou dimli, mais nous pas pas compte pour ça. Écoutez, je suis en réserve de la République. Et, si c'est moi qui dois bloquer, retirez-moi. Il avait bien réagi. Alors, avant de finir, une question qui plus. Au moins, sénateur a bon chapeau et l'homme de loi tout. Qui pouvoir, on a dit là, dans la perspective de changement de gouvernement qui est dessiné là, qui pouvoir Ariel Henry gagner sans conseil des ministres? Est-ce que comment gouvernement ça après le monter? Ariel Henry n'a aucun pouvoir sans le conseil des ministres. Ouais, aucun pouvoir. Là, le statut spécial qui prévoit que si un président mourit, ou bien s'il va là, le conseil des ministres qui va gérer, c'est le conseil des ministres qui joue le rôle de l'exécutif. Ouais. Non, le premier ministre. Non. Ça veut dire que nous n'avons pas fait un accord qui est au-delà de la Constitution. C'est-à-dire tout ce que Ariel Henry a fait, il faut que lui revêtu du sort du Conseil des ministres. C'est la Constitution qui le dit. Dans l'article 149, dans les 4 premières années, si gagnait un président qui mourit, c'est le Conseil des ministres. Si c'est la dernière année, c'est l'Assemblée nationale qui choisit un président. Mais Ariel l'inscrit dans la question de lui-même qui était, l'inscrit dans la question du Conseil des ministres. En attendant que là, que quand on président entend, c'est le Conseil des ministres. Une dernière question avant de passer. Est-ce que le Conseil des ministres est capable de révoquer le Conseil des ministres prend toutes les décisions. OK. Le Conseil des ministres prend toutes les décisions. Concernant le fonctionnement de l'exécutif. Merci un peu, sénateur. Yuri, la tortue, nous content avec au matin. L'émission matin débat. Nous défendons bon parler. Merci, Loko. Merci, député. Merci, c'est un plaisir. Merci. Que me avec nous. Et bien content de nous faire jeunesse là. Ah oui. Ça permet de nous élucider.